Je vis cette sortie avec beaucoup d'émotion parce que j'attends ce moment avec impatience. On peut sortir ces films partout dans le monde. Pour moi, le moment le plus important est le moment où le film rencontre son public naturel, qui est le public marocain. Je suis marocaine, c'est un film qui raconte une histoire marocaine et comme je disais, je suis très très impatiente que cette rencontre se fasse. Donc j'ai hâte qu'on soit demain, que le film arrive dans les salles et que le public puisse aller à la rencontre du film. C'était une très très belle expérience, extrêmement riche en émotions. Très enrichissante aussi, parce que c'était pour moi un plaisir vraiment que de pouvoir regarder des films à longueur de journée, plonger dans un univers, replonger dans un autre derrière. Chaque fois qu'on est à Cannes avec nos films, Nabil ou moi, on reste avec des clans-vies de voir d'autres films, et on n'a jamais assez de temps pour voir d'autres films. Et là, c'était vraiment magnifique que de pouvoir voir des films et en discuter après avec les autres membres du jury qui étaient vraiment extrêmement extrêmement intéressant. Donc ça a donné lieu à des conversations passionnantes. Le rôle de Youssef خلاني نمشي ندير بزاف ديال ليزيفور. اول حاجه نمشي نتعلم الخياطه, وهذه اكثر حاجه فريمون اللي شدتني في لو بيرسوناج. من نهار قريت من نهار درت مع مريم ودوك لي على لو بيرسوناج, لقيت قلت هذا زعما سي تان تشالنج, وقلت علاش لا ناخذ التشالنج. دونك مشيت تعلمت الخياطه, جي باسي زعما تقريبا شي شهر وشي حاجه وتعلمت صراحه. تنبغي نشكر الناس اللي علموني, تعلمت شويه ماشي بزاف, مي دفيره, مفتل, ترسان, وخدمت عليه من ناحيه حاولت نفهم لو بيرسوناج كيفاش كيفكر, فين كبر, كيفاش. وكان واحد لو رول كومبوزي, ما كانش ساهل, كان خصو بزاف الخدمه, كان خصو بزاف انك تفهم البيرسوناج. لو فيلم ا ديجا يو دو سوكسي ان بتي بو بارتو وي لي باسي, مي انفان ماروك سي كان بارتيكولي. C'est notre pays, c'est là où on vit, c'est là où il a été tourné. On est franchement excités et très 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 heureux surtout de pouvoir enfin le montrer au public marocain. On aurait aimé commencer par le Maroc, malheureusement ça n'a pas été possible, mais on est quand même super heureux de pouvoir le présenter ici et de voir les réactions du public. C'est très beau. Hier on était à Rabat, avant-hier on était à Tanger, c'est magnifique. Des salles pleines d'abord. Et puis, alors que c'est un film qui prend son temps, qui est tout en subtilité, vous verrez, en sobriété, qui prend le temps de, au niveau de son rythme, de développer l'histoire, et ben c'est un film qui finalement touche un public très très large. L'homme dit le bel est sauvé.